Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du Smooth Wave de Breville. C'est ce four à micro-ondes-là. C'est un four à micro-ondes conçu pour vous faciliter la vie. Comment? Eh bien, de nombreuses façons. Tout d'abord, vous retrouvez ici son panneau de contrôle que vous, comme vous pouvez le constater, qui est vraiment très épuré, très minimaliste, mais qui n'empêche pas d'être à la fois très complet. Même si on ne retrouve pas les palmés numériques présents sur la plupart des fours à micro-ondes, il est d'une facilité déconcertante. En fait, vous pouvez contrôler la chaleur et le temps de cuisson à l'aide des molettes, mais vous avez également plusieurs pré-réglages, que ce soit dans le cas de la cuisson et aussi quand vous voulez dégeler des aliments. Par exemple, si vous voulez dégeler du poulet, vous n'avez qu'à aller dans l'option poulet et de choisir la quantité, en fait, de dire la quantité de poulet qui va être dégelée. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le mode de réchauffage, en fait, le mode de réchaud qui permet donc de réchauffer ces aliments. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le four à micro-ondes utilise la technologie Sensor IQ. Cette technologie-là, en fait, détecte, si on veut, la vapeur qui s'échappe des aliments et ajuste automatiquement la température et la durée de cuisson. Donc, vous avez concrètement des restants qui seront cuits, ben, disons, réchauffés à la perfection, ce qui n'est pas toujours le cas avec des fours à micro-ondes traditionnels. Les plats sont souvent trop cuit ou au contraire pas assez réchauffé. En fait, l'intérieur, le milieu est froid et l'extérieur est, disons, trop chaud. Mais ce n'est pas le cas ici. Bon, il faut comprendre que la technologie Sensor IQ, donc quand on réchauffe des aliments, prend peut-être un peu plus de temps, compter environ 3, 4, 5 minutes pour réchauffer un plat de riz et de poulet, disons. Mais honnêtement, elle est très efficace parce qu'une fois que le four à micro-ondes va sonner, ben, votre plat est vraiment prêt. Aussi, donc, une autre caractéristique intéressante, c'est cette porte-là, c'est une porte anti, si on veut, choc, et vous avez une technologie d'amortissement. Donc, même si on frappe de toutes ses forces, contrairement à la plupart des fours à micro-ondes, la porte ne va pas faire bang, ce qui permet de vraiment diminuer le bruit du four à micro-ondes, qui lui-même fait quand même relativement peu de bruit lorsqu'il fonctionne. En ouvrant la porte, vous avez peut-être remarqué ici certains boutons de pré-réglage. En fait, vous avez plusieurs boutons qui vous permettent notamment de par exemple, de faire fondre du chocolat ou encore de ramollir du beurre. Aussi, une autre fonction intéressante, en fait, c'est un simple bouton. C'est un bouton qui permet tout simplement d'empêcher le plateau de tourner, le plateau rotatif à l'intérieur. Donc, en appuyant sur ce bouton-là, le plateau rotatif va tout simplement cesser de tourner. C'est une fonctionnalité à laquelle on ne pense pas souvent, mais si vous avez un gros plat ou un plat de forme carrée, ben, vous allez empêcher avec cette fonctionnalité-là que le plat cogne à l'intérieur de votre four à micro-ondes. Bref, le Smooth Wave de Breville est un four à micro-ondes d'une rare efficacité. Il est très facile à utiliser malgré tous ces modes de pré-réglage. En fait, il suffit de se référer à l'écran et au manuel d'instruction qui est très facile à comprendre. Et comme j'ai dit en introduction, de cette vidéo, il va vous faciliter la vie, même si vous ne vous servez de votre four à micro-ondes que pour réchauffer vos plats. Alors voilà, c'était Philippe Michaud. Et puis, ben, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. Au revoir!